Alors, bon matin à toi à la maison, élève de quatrième année. C'est un bonheur de te retrouver. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu as bien mangé. Tu as pris une collation avant de t'installer. Tu as à ta disposition, j'espère, papier et crayon pour qu'on puisse commencer ensemble la journée. Comment s'est passé ton 1er avril, journée de mauvais taux? En as-tu joué? Peut-être. Moi, je m'en suis fait jouer un. Hein? Je suis revenue à la maison chez moi là, et sur la galerie, ce qui m'empêchait de passer pour aller à ma porte, c'était une banderole complète de poissons. Ça me fait rire, hein? Fait que juste des petites attentions comme ça, là, ça peut faire rire, ça peut égayer nos journées. Je t'avais lancé aussi hier un défi, une mission de journée, là, comme je fais à tous les jours. Et vous avez été vraiment là, des centaines et des centaines à m'envoyer vos messages, m'envoyer aussi ce que vous avez fait par rapport au fameux arc-en-ciel que je vous avais demandé de dessiner. Et de mon côté, je t'avais dit que j'allais le faire, bien, je l'ai fait. En fait, je lui ai aussi user un petit peu de stratégie, en fait, de temps, pour demander à ma fille de faire le dessin pour moi, de le colorier. Elle adore colorier. Et puis, j'ai fait mon propre arc-en-ciel. Elle l'a dessiné. Et tu vois, là, ça ressemble à ceci dans mon cahier. Je l'ai collé. J'ai pris les deux pages, hein, parce que j'avais envie. J'ai rajouté de la couleur. Beaucoup de personnes, hein, qui me font sentir bien dans ma vie. Je les écris, là. Un peu dans l'avoir plus que deux, là. Ils font sentir spécial, bien. J'ai écrit aussi des intérêts que j'avais, des activités que j'aime faire hein, quand je m'ennuie ou quand je veux me faire plaisir. Une des choses là, que j'ai mis, c'est musique, chanter, parce que moi aussi, si t'es comme moi, là, moi j'aime chanter, ça me fait du bien. Tu m'entends? Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne chanterai pas ce matin, OK? Mais je peux te dire, par exemple, qu'au niveau de chanter, là, j'essaie de transmettre même cette passion-là à mes élèves de ma classe. Hein. Pour ceux qui m'écoutent ce matin, là, salut à toi! Élèves de quatrième année. Et c'est comme je disais, avec eux, on a même été faire une petite chorale aux personnes âgées cet hiver pour briser l'isolement. Comme on fait ce matin, on brise l'isolement, on se connecte ensemble et on a du plaisir. Ça nous permet de passer une belle journée. Alors, je vous félicite pour ça. D'ailleurs, je vais te montrer ce que tu m'as envoyé. Alors, j'ai reçu là des superbes choses. Je t'en montre quelques-uns. Et comme ça, je vais les mettre en gros pour que tu puisses admirer le chef-d'œuvre que vous avez fait. Alors, le premier m'a été envoyé par Alassane, qui lui a effectivement un intérêt pour tout ce qui est planète, univers. Et il semble aussi beaucoup aimer le soccer. Et son animal, j'imagine qu'à la maison, là, c'est Bouboule, son hamster. Et ça fait souligner que les animaux de compagnie, là, utilise-les, hein. Ça peut être celui qui va te divertir aussi pendant tes journées. Chanceux ceux qui ont un animal de compagnie à la maison. Ici, j'ai de la part de Boris, j'ai l'impression de reconnaître l'écriture, là, je ne sais pas si c'est celui de ma classe, mais lui a fait quelque chose coloré. Il a même disposé tous ses crayons là, ici, superbe photo. Et je termine avec Rosalie, toujours en quatrième année, qui, elle, a fait quelque chose d'hyper coloré. Elle semble aimer les arts, l'équitation aussi, hein, et jouer avec ses chats. Elle aussi, elle partage son quotidien avec des animaux de compagnie. Alors, merci d'avoir partagé ça avec moi. Hein? C'est vraiment agréable à regarder. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je t'avais promis, c'est mathématiques. On va voir les mathématiques. Et pour ce faire, avant qu'on fasse ça, on va écrire dans notre cahier. Bon, je suppose qu'ici, là, c'est ton carnet, disons. J'aimerais que tu inscrives la date en haut. La date du jour aujourd'hui, c'est jeudi. On est jeudi, le 2 avril. Et on est l'année 2020. Là, j'écris ça comme si c'était une page, là. Si on s'en va dans le futur et que tu reprends ton carnet, tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu as fait cette journée-là et même quelle température il faisait cette journée-là. Tu veux voir ça avec moi? Je ne sais pas si tu as des fois à consulter la température, par exemple, pour savoir comment tu t'habilles le matin, mais moi, je la consulte énormément. Il y en a qui la consultent sur un site web, sur leur téléphone cellulaire ou peut-être même OK Google, température, hein, avant de sortir de la maison. Ça se peut que tu fasses ça. Mais alors, moi, je viens de te montrer le site Internet. Expert en la météo qui s'appelle Météo Média. Et là, tu me dis pourquoi elle me parle de météo ce matin? Bien, ça a un lien avec les mathématiques. On utilise les chiffres pour exprimer hein, la température et les météorologues ont à travailler avec ça. Je te montre Météo Média. Alors, c'est un site Internet bien sûr accessible pour tous. Je te le fais apparaître ici en haut de l'écran pour que tu puisses voir la météo qu'on annonce pour les prochains jours. Alors, tu vois, si je regarde en haut, on annonce 2 degrés Celsius. Et par contre, à l'extérieur, on va ressentir moins 1 quand on va sortir. Ça, là, cette variation-là est due là, à la température, l'impact du vent ou de l'humidité sur nous. Ce que je veux que tu fasses sur ton cahier, fais-toi un thermomètre que tu vas séparer en deux où est-ce qu'il va y avoir un point de congélation qui est zéro. Tu connais ça là, en quatrième année. Point de congélation, c'est l'eau qui change en glace. Et là, on va aller inscrire des degrés. Quand on monte vers le haut,
on s'en va vers des nombres entiers positifs. Mais si on s'en va en bas, c'est des nombres entiers, mais négatifs. Moins 1, il commence à faire froid. Moins 2, moins 3. Puis là, je pourrais continuer ici, là. Mais là, on s'éloigne de ça. On est au printemps, on devrait avoir des chaleurs là, qui s'en viennent. Alors, ce qu'on t'indique à Météo Média, c'est qu'il va faire 2 degrés aujourd'hui. Je le colore. Je me rends là jusqu'à 2 degrés Celsius. Et là, ce qu'on te dit, c'est que quand tu vas sortir, c'est pas 2 degrés que tu vas ressentir, mais plutôt moins 1. Moi, ce que je te lance comme défi, là, es-tu capable, sur ton thermomètre, de réaliser la différence entre les deux? Entre 2 et moins 1. Mais c'est assez facile. Tu regardes les bons que tu peux faire entre chacun d'eux. Alors, ici, je pars de moins 1, je fais 1, 2, 3. Il y a donc une différence de température de 3 degrés Celsius. OK, à côté de ton thermomètre, écris-toi comme souvenir qu'il faisait 2 degrés Celsius, le fameux 2 avril que tu passais avec moi en confinement à la maison. C'est bon ça? OK, alors on a fait notre température, on a écrit notre journée. Maintenant, voyons notre nombre du jour vedette. Tu veux faire ça? OK. Alors, je vais commencer par t'enlever la météo. Et on va voir ensemble notre nombre du jour vedette. Je vais commencer par effacer ça pour se faire une belle place. Et je vais t'écrire en gros. Toi, fais la même chose de ton côté, OK? Prends-toi, ben, tu peux continuer sur la même page, mais sinon, sur une autre page, inscris le nombre suivant, là, de façon créative. Le rajoute-y, par exemple, dans un nuage, avec des feux d'artifice, un nuage, avec un soleil. C'est notre nombre vedette. C'est celui qu'on va analyser aujourd'hui pour travailler différentes notions mathématiques. Avant toute chose, ça te tente que je t'apprenne une nouvelle chose ce matin? Hein, j'aime beaucoup là, te parler soit d'histoire ou de t'apprendre des choses que j'ai découvertes. Mais alors, ce matin, ce que je veux faire avec toi, c'est te partager quelque chose que je sais à propos de notre système de numération. Alors, pour quelle raison on fait des calculs de cette façon-là? On regroupe les unités en dizaines et ces choses-là. Ce que tu dois savoir, je pense que c'est important, hein, parce que si on sait d'où viennent les choses, on peut mieux les comprendre. Alors, il y a très, 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 très longtemps, il y a eu des humains, hein? Oui, pas à l'époque des dinosaures, mais plutôt là, les humains. Là. Eux, ils étaient nomades. Hein? Ils se promenaient et ils ne s'installaient pas nécessairement pendant un long moment au même endroit. Alors, il n'était pas question d'avoir, par exemple, des choses qu'ils avaient à traîner. La seule chose qui les suivait toujours, c'était leurs mains. Et leurs mains sont composées de 10 doigts. Alors, si je les compte ensemble, je me rends jusqu'à 9. Le dernier, c'est 10. J'en fais un regroupement de 10. Ça leur permettait de calculer rapidement les choses et c'était quelque chose qu'ils avaient toujours à portée de la main. OK. Et maintenant, les peuples ont évolué et tout ça. Et ils ont eu à s'installer quelque part. Hein? Et là, ils ont établi, par exemple, un jardin près d'eux. Ils ont installé aussi des animaux, hein, du bétail. Ils devaient les compter. Alors, ils ont dû perfectionner leur système parce qu'on s'en venait avec des plus gros nombres. Et c'était important, par exemple, de compter le bétail. Oui, on voulait savoir s'il y avait eu des prédateurs qui étaient venus attaquer. Hein, on voulait réaliser qu'est-ce qui se passait au niveau de notre champ. Petit aspect historique. Maintenant, on avance un petit peu dans le temps. On se retrouve, par exemple, à l'Égypte ancienne. Et c'est pour ça mon image ici. Et à l'Égypte ancienne, eux, il y avait un système avec des dessins. Je vais grossir l'écran pour que tu vois bien. Tu vois, à cette époque-là, ce qu'on voyait, c'est qu'une centaine, ici, le représentait par un petit bâton. Quand ils avaient 10, pas une centaine plutôt, une unité. Si j'avais 10 unités, hein, 10, je le représentais par une anse de panier. Finalement, j'ai 10 anses de panier, et puis là, je le représentais par autre chose, ainsi de suite. Donc, chaque position, hein, chaque symbole avait une valeur. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait pour pouvoir justement, représenter les nombres. Et là, de nos jours, ça a évolué. Hein? Si, par exemple, on fait un test, là, je veux juste faire un test avec toi. On va essayer, avec les dessins là, que je t'ai présentés, de faire, par exemple, 21. Okay? C'est un nombre vraiment facile. 21, si je le fais à la méthode, avec le système égyptien, je le représenterai comme ça. Et là, tu remarques, là, mes dessins, si je les déplace, je les mets dans un ordre complètement différent, ils vont garder la même valeur. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, chaque chiffre, selon la position, a une valeur. Et c'est ce qu'on va voir avec notre nombre du jour. Hein? Si, par exemple, dans ta tirelire, là, ou je sais pas, dans ton portefeuille, tu as 51 $ et tu changes la position de ce chiffre-là, bien, 51 $, ce n'est pas du tout comme 15 $. Hein? Alors, c'est important de connaître ça, que notre système à nous, c'est un système de base 10, hein, comme les mêmes, et qu'il y a une position pour chacun des chiffres qui a une valeur. Ça va pour ça? Partons avec, finalement, notre nombre du jour.
je suis maintenant rendue à te l'expliquer. Première chose qu'on va voir ensemble, je vais te le montrer là, juste pour qu'on puisse suivre ensemble. Alors, le nombre du jour, on va déterminer s'il est pair ou impair. Première chose. Alors, je vais faire ça à chaque fois. Hein? Chaque mercredi, là, c'est jeudi cette semaine, ça a un peu changé. Est-ce que c'est pair ou impair? Pour le savoir, pair, là, tu sais ça depuis longtemps. Hein? 0, 2, 4, 6, 8. Si le nombre que je te représente termine par un de ces chiffres-là, on est en présence d'un nombre pair. Dans ce cas-ci, pair ou impair? Exactement. Il est impair, mon nombre, puisqu'il ne finit pas par un de ces chiffres-là. Ça va pour ça? OK, on passe au suivant. Position. Si je te demande quel chiffre est à la position, par exemple, des dizaines, il y en a pour qui c'est super facile. Il y en a pour d'autres, ça serait peut-être bien de le mettre dans un tableau de numération. Je pense que ça t'aiderait peut-être à le placer puis à visualiser peut-être la valeur de chaque position. Alors, le tableau de numération, il va comme suit, je te le montre. Tu l'as déjà vu, il est peut-être même affiché dans ta classe. Unité, dizaine, centaine, unité de mille. Puis là, je pourrais continuer par là, hein. Dizaine de mille, et ça continue. J'inscris mon nombre. 9, 8, 3, 5. J'écris les chiffres dans chaque colonne. Chaque colonne vaut donc une valeur, a une position. Et cette valeur-là, c'est comme ça que ça me permet de déterminer, en fait, quel chiffre est à quelle position. Si, par exemple, je te dis quel chiffre est à la position des centaines, facilement, dans le tableau, je suis capable de voir que c'est 3. Même chose avec quel chiffre est à la position des dizaines, le 8. Ça va ça pour la position? On va se donner un exemple. Position, par exemple, des dizaines. Alors, j'écris, c'est le 8. Juste pour se donner un exemple. Quel chiffre est à la position des dizaines, c'est le 8. On continue? Alors, la valeur. La valeur, ça, un petit peu plus complexe. Valeur, c'est que chaque... Bien, pas très complexe, non. En quatrième année, tu es capable de faire ça, là. C'est chaque chiffre, étant donné sa position, a donc une valeur. Si je vois le 8, c'est 8 dizaines, donc c'est 80. OK, je te demande de me faire la valeur du 3 et la valeur du 5. Il n'y a pas de faire ça? Vas-y. Alors, si j'y vais avec le 3, il est dans la colonne des centaines, donc 3 centaines, ça vaut 300. Le 5, unité de 1000, il vaut donc 5000. Passé jusque-là? Maintenant, voyons la décomposition. Si tu connais la valeur, là, la décomposition pour toi, ça va être un charme. Décomposition, non. Je ne veux pas parler de la fameuse collation que tu as oubliée là, dans ton petit Tupperware, Ziploc, petit pot, dans ton casier. Oui, oui, avant le confinement, là. Oui, on n'a pas hâte de retourner pour ça. Non, décomposition, c'est de décortiquer chacun des chiffres qui se trouvent dans mon nombre pour vraiment trouver sa valeur. Alors, décomposition. Je t'invite à continuer d'écrire ça, hein? Décomposition, par exemple, de ce nombre-là. Alors, je commence par mes unités. Mes unités, c'est 9. Mes dizaines, ici, c'est le 8, c'est donc 80. Mes centaines, j'en ai 3, c'est donc 300. Et finalement, 5, c'est 5000. J'ai donc décomposé mon nombre. Super! Nombre avant, nombre après, pour toi, dans certains cas, ça peut poser une difficulté si, par exemple, c'est en rajoutant une unité ou en enlevant une unité. Dans ce cas-ci, dans 5389, là, je pense qu'en quatrième année, tu devrais être assez à l'aise de faire ça. Si je rajoute une unité, hein, pour savoir le nombre qui est après, je vais arriver à 5300. Je peux faire la comptine dans ma tête, là, 386, 87, 88, 89, 90, 5390. C'est le nombre qui est juste après. C'est juste le changement là, de dizaines qui peut causer problème, mais pour toi, là, ça doit être super facile. Ça va pour mon nombre du jour? Oui? OK. Alors, passons maintenant à la notion du jour, qui est la multiplication. C'est ce que je veux voir aujourd'hui avec toi. Alors, je t'enlève mon fameux poisson ici. Je nous efface ça. J'espère que tu as pris ça en note. Hein? Et si ça te tente, là, en prévision de mercredi, ce que j'ai vu, là, tu peux te faire comme une genre de feuille, disons, que tu pourrais mettre dans une... pochette de plastique et travailler le nombre de la même façon que j'ai fait. Hein? Tu demandes à quelqu'un de ta famille là, qui est à la maison de te donner un nombre et tu fais les mêmes exercices pour pratiquer. Ça, là, c'est excellent pour travailler les mathématiques. Ça va t'aider beaucoup, comme cette année et comme pour les prochaines années. OK. Alors, voyons la notion du jour. La notion du jour, je t'ai parlé de multiplication.
La multiplication, il y a plusieurs façons de faire ça. Tout d'abord, il faut que tu connaisses les façons de représenter les nombres. Hein? La meilleure façon là, que tu connais probablement, c'est avec le matériel base 10. Ça pourrait être, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Le tableau de numération, on l'a vu tout à l'heure. Hein? Et oui, il y a avec des chiffres. Pour multiplier, il y a plusieurs stratégies. OK? Et ces plusieurs stratégies-là, ben, je vais te les montrer. Je vais te les partager. Je vais ouvrir mon cerveau. Là. Tu vas entendre tout ce qui se passe dans ma tête et comme ça, tu pourras le mettre en application. Aujourd'hui, ce que je veux que tu détermines, c'est quelle est toi, à la maison, ta stratégie que tu aimes. Parce que tu as le droit de choisir. Hein? C'est rare qu'on dise ça. Hein? Choisis. Tu décides de faire ce que tu veux. Okay? Je te présente donc toutes les stratégies. La multiplication qu'on va faire ce matin, c'est 14 fois 5. Je te montre ça. 14 fois 5 égale combien? Pour faire ça, plusieurs stratégies possibles. J'utilise le matériel base 10. Alors, par exemple, je fais une dizaine, 4 unités, et je le fais 5 fois en addition 14. Ici, j'en ai peut-être une de trop. Et je le fais 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, comme une addition répétée. OK? Alors, par exemple, ici, je vais faire des regroupements, par contre. Ça, c'est important. Dans mes unités, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un regroupement, je m'en vais porter une dizaine ici. Ici, est-ce que j'ai un autre regroupement? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, j'ai un autre regroupement et je viens porter une autre dizaine ici. Combien j'ai d'unités? 0. Et le 0, il est important. Il y a une valeur, lui aussi. Okay? Combien j'ai de dizaines? J'en ai 2, 4. J'en ai 7. Ça fait donc 70. Je viens de te parler d'addition répétée, mais tu peux le faire aussi avec des chiffres addition répétée. Si, par exemple, je fais 14 plus 14... Ça, c'est 2 fois, ça me donne 28. Je vais le refaire à côté. 14 plus 14, ça me donne 28. Je l'ai fait combien de fois, le 14? 1, 2, 3, 4. Il me reste une autre fois à le faire. Je vais additionner ces deux-là. 28 plus 28. J'ouvre encore mon cerveau hein, pour que tu entends ce que je fais. 8 plus 8, ça me donne 16. Donc, je garde mes 6 unités et je reporte une dizaine. 2 plus 2 plus 1. Dizaine, ça fait 5, ça fait 56. On l'a fait juste 4 fois, il m'en manque un, il ne faut pas l'oublier. 14. 6 plus 4, ça me fait une dizaine. Et j'arrive au même résultat qui est 70. Alors, deux stratégies. Avec du matériel barre 10. Et d'ailleurs, à la maison, c'est peut-être pas le cas là, en ce moment. Là, mais d'ailleurs, si tu as du matériel concret pour le faire, là, comme par exemple, je ne sais pas, là, des céréales, des... du macaroni. Regarde, moi, ici, là, ce matin, là, j'étais arrivée, j'avais des céréales, je me prends une poignée de céréales. Et là, je vais faire 14 fois 10. Alors là, je fais 1, j'en mets 14. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez, j'avais faim. C'est... Et là, ça va être long, hein? On s'entend, là? OK. Mais c'est pas la meilleure stratégie. Matériel concret, là, ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, probablement que tu en as du matériel base 10 réel, là. Hein? Alors, ça, là, en tout temps, ne sois jamais gêné de sortir ce matériel-là. Jusqu'en sixième année, tu as le droit de le manipuler. OK? Alors, quand ton professeur te dit « Utilisez le matériel que vous avez à votre disposition. Vas-y, lève-toi. » C'est ça que ça veut dire. OK? C'est un peu plus long, mais au moins, tu es certain d'arriver au bon résultat. Puis, ça nous prouve que tu comprends. D'accord? OK. Alors, on a vu ça. On a vu ça. Maintenant, je vais te montrer une stratégie que moi, je connais qui s'appelle la stratégie rectangulaire. 14 fois 5, je peux le faire comme un rectangle. C'est comme l'air, dans le fond. Je divise donc mon rectangle en 14 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il en manque-tu un? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. Et je le divise en 100. Idéalement, là, en 5, on comprend le concept là, pour que ça soit tous des carrés égaux. Alors, j'en ai 14 et là, ça représente 5 fois 14. Et là, j'aurais tout simplement à dénombrer. Plus le nombre est gros, plus ça va être long de dénombrer. Hein? Alors, tu peux faire l'autre stratégie un petit peu plus avancée, la stratégie rectangulaire, mais cette fois-ci, en mettant les nombres. Regarde bien. J'ai 5. J'ai combien d'unités? J'en ai 4. J'ai un 1 qui est à la position des dizaines, donc ça fait 10. Et là, je multiplie. 5 fois 10, 50. 5 fois 4 unités, on est en présence de... 2 dizaines, 20. Et après, j'ai simplement à les additionner ensemble. 50 plus 20, 70. Pas si mal, hein? Et là, je ne suis pas rentrée dans aucune stratégie conventionnelle là, de calcul
avec des retenues et ces choses-là. J'ai compris ce que je faisais, j'utilisais du matériel assez concret ou en tout cas semi-concret et mes stratégies, là, je suis certaine de mon résultat. Aussi, là, ce que je t'amène à faire, c'est à te demander, est-ce que mon résultat a du sens? Oui, là, tu as été super bon pour choisir ta stratégie à toi. Mais quand tu mets une réponse, révise dans ta tête, hein? Reviens à ton résultat. 14, c'est proche de 10, disons. 5, 5 fois 10, tu sais faire ça, hein? Fois 10, on rajoute un 0. Alors, 5 fois 10, ça fait 50. Est-ce que, hein, c'est comme autour de 50, mon résultat? Oui, je confirme que j'ai probablement raison. Vas-tu utiliser ça, hein? La révision? Mm-hmm. Alors, essaie de faire ça à la maison. Je vais t'en lancer un, OK, que tu peux écrire dans ton carnet. Cet après-midi ou tout de suite après m'avoir quitté, là, essaie de le faire. Je te donne 20... Non, on va rester avec 17 fois 4. 17 fois 4. Je ne vais pas le faire avec toi ce matin. Par contre, essaie de le faire, là, toi, de ton côté. Et voir, tu utilises la technique de ton choix ou même encore, fais les 4 stratégies, hein, pour vraiment là, savoir laquelle te convient le mieux. C'est bon. Fini pour la notion du jour. J'efface ça. Attends un petit peu. Alors, j'ai mon nom du jour. J'ai compris la notion du jour. Et je veux te montrer deux petits trucs en finissant. Hier, je t'avais parlé de la plateforme Herpi. Il y a une chose que je n'ai pas faite avec mon nom que j'aimerais faire maintenant. La fameuse question. OK? Tu as souvent vu ça avec ton professeur. Il y a des trucs, là, des trucs, là, puis c'est bon d'en avoir des trucs, là. Mais il faut aussi comprendre. Est-ce quand on te demande, par exemple, combien, je vais te l'écrire, là, parce que c'est la question qui tue, combien y a-t-il de centaines dans ce nombre? Combien y a-t-il de centaines dans ce nombre? Plusieurs ont tendance à dire 3, parce que 3 est à la position des centaines. Sa valeur, c'est 300, mais ça ne dit pas combien qu'il y en a de centaines. Regarde bien, je te montre quelque chose de super visuel. Je ne sais pas si tu es comme moi à la maison, mais moi, pour comprendre, il faut que, oui, j'entende, mais que je vois. Alors, je te montre. Si, par exemple, je vais sur la plateforme Herpi, regarde bien, là. Mais tu peux faire ça aussi là, avec des dessins, là, c'est la même chose. C'est juste parce que tu vas voir, c'est super concret. Par exemple, si j'avais à illustrer, je ne vais pas prendre 5389, sinon ça va être trop long pour rien. Mais si par exemple, je prends 100, je vais te le montrer, ce ne sera pas long après, 143. Alors 143, disons, j'ai 4 dizaines. On les entend, là, c'est le 4 à la position des centaines. J'ai une plaque de centaines et j'ai 3 unités. Ça va pour ça? Et là, c'est comme le système à tantôt que je te parlais, là, de l'époque ancienne, où est-ce que, peu importe la position que tu prends, là, tu peux réussir à calculer. Alors, ma centaine. Pour savoir combien j'ai de dizaines, là, je dois tout mettre en dizaines. Dans ma centaine, il y en a qui sont cachés. Hein? Alors, si je prends mon marteau, je peux maintenant découvrir combien il y a de dizaines en tout. Et cette fois-ci, je vais te mettre en petit écran. Combien il y a de dizaines dans mon chiffre 143? Je m'en vais dans mes dizaines. Combien il y en a? Il y en avait de cachés dans mes centaines. J'en ai donc 14. Combien il y a d'unités dans 143? Bien, regarde bien là. Mes dizaines, il y en a des petits carrés unités cachés là-dedans. Je reprends mon marteau. Et là, il faudrait tout que je les casse maintenant comme ça pour les compter. Il y en a vraiment beaucoup. Combien y a-t-il d'unités? 143. Tu vois? OK. On part avec cette question-ci qu'on s'était écrite. J'enlève ça ici. Combien y a-t-il de centaines dans ce nombre? Je prends mes centaines et là, je me pose, est-ce qu'à côté, il y en a des centaines de cachés dans mon unité de miel? Oui. Hein? Tu l'as vu, là, je te l'ai montré visuellement. Alors, c'est 53. Tu as compris? Si, par exemple, je te dis combien il y a de dizaines, c'est le même principe. Je m'envoie dans mes dizaines, il y a sûrement des dizaines de cachés là et cachés là. 538. OK? Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais te faire. Bon, on termine notre merveilleuse rencontre avec des partages que vous m'avez faits.
Ces partages-là, ils m'ont vraiment surpris, OK? Parce que, tu te souviens, on avait parlé de poissons qui étaient particuliers. Eh bien, vous avez été des centaines là, et des centaines à m'envoyer des courriels. Et d'ailleurs, il y avait des superbes de belles photos. Hein? Je voyais qu'il y en avait qui me suivaient sur leur ordinateur, dans leur salon. Il y en avait d'autres qui avaient leur iPad dans leur lit, et même sur un grand écran géant, là, aussi dans leur salon. Mais tant mieux, hein, si ça vous permet de vous investir dans ce que vous avez à apprendre à l'école d'ici la fin de l'année. Alors, ce que je veux te montrer, ben, c'est les partages que les gens ont faits. Le premier partage, je vais te le mettre ici, plutôt en grand écran, là, ici. C'est le partage de requin tapis tacheté, hein, qui est une sorte de poisson qui vit dans le fond marin et qui est surtout situé là, autour du Japon, de la Chine. Le dessous de lui, là, le dessous de ce poisson-là, ressemble à des genres d'algues en mouvement. Donc, ça permet de passer un petit peu inaperçu. L'autre partage qu'on a eu, c'est le fameux poisson blobish. Comme ça, là, il a l'air de rien, mais regardez de près, là. Oh! Alors, oui, il est très particulier, gélatineux, avec un cartilage très, très, très mou. Et il se nourrit de mousse marine, à ce que j'ai pu lire. Alors, ben merci hein, encore de vos partages. Ça nous permet là, de découvrir ben, des choses nouvelles, hein, en fait. Pour les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est te donner un défi du jour. Ton défi du jour, il est inspiré fortement de ce que l'autrice Élise Gravel a publié sur son compte à elle, sur son site. Élise Gravel, c'est une autrice, mais aussi illustratrice. Hein? Elle illustre aussi ses albums, ses livres. Alors, ce qu'elle avait publié, je te montre ça aussi à l'écran, elle avait publié un genre de défi, en fait. C'est dans sa section « Imprimer des dessins à colorier ». Mais ça m'a inspiré le défi du jour. Le voici. Ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, cet après-midi, au courant de la journée, j'aimerais que tu t'inspires de ce que Élise Gravel a publié, qui est de dessiner, ou en tout cas de s'inspirer de ce qui se passe en ce moment pour dessiner ton propre virus. Alors, dans ton cahier, tu vas prendre le temps d'inventer des virus qui existent. Hein? Ça peut être un ou deux ou trois personnages de ton choix. Tu vois, elle a décidé de faire le protovirus, le papier de toilette virus. Et ceux-ci, bon, ils ont l'air d'avoir déjà un caractère, ils ont l'air rigolo. Ce que je veux que tu fasses, en plus de faire ton virus ici, là, j'aimerais, ça c'est dans ton cahier, pas besoin d'imprimer les feuilles, hein. Dans ton cahier, j'aimerais que tu construises une mini-BD. Une mini-BD où est-ce que tu vas mettre des bulles, hein, des phylactères, où est-ce qu'on va mettre des phylactères, et puis pour faire parler tes personnages. Ça va ça? Alors ça, c'est ton défi du jour. Alors je te laisse ici pour que tu prennes conscience de ce qu'il faut que tu fasses. Tu te fais un virus avec des caractéristiques, tu y fais une petite BD, et de cette façon-là, ben, on va avoir quelque chose de rigolo. N'oublie pas de le partager, hein? Je vais en présenter demain, j'aime ça commencer avec ça. Ça nous permet d'avoir là, vraiment quelque chose de concret, un contact entre nous deux, comme si j'étais avec toi, chez vous, dans ton salon. Hein? Pas en pyjama, mais bon, OK. Alors, mon adresse, je la répète, hein? C'est Marie-Ève Trédunion, avec A commercial, succès scolaire.ca. Et là, ce que je vais te demander de faire, puisqu'on reçoit beaucoup de courriels, c'est d'inscrire ton nom, oui, ton année scolaire, mais aussi de nommer ton document. Ça, c'est dans objet là, qu'on fait ça, pas sur ton dessin, là, vraiment dans l'objet d'envoi. Alors, tu écris ça et tu inscris pour le défi du jour, virus, le mot virus. Comme ça, ça va me permettre de sélectionner là, les dessins ou en tout cas les œuvres d'art que vous allez faire. Hein? Vous êtes des très, très bons créateurs. Alors, ben, c'est ce qui met fin à notre rencontre du jeudi matin. Je vais te souhaiter une superbe belle journée. Sors dehors, même s'il ne fait pas très beau comme un avis nuageux. Va faire du vélo, de la trottinette, amuse-toi. Et puis, je te donne rendez-vous demain à la même heure, 10h30, pour une autre capsule de partage, cette fois-ci, de littérature, d'histoire qu'on va travailler ensemble. Merci encore une fois d'avoir été là, ça me fait vraiment plaisir. Et je te dis de garder le sourire et tu vas voir. Si tu restes avec moi, ça va bien aller. OK, bye!